Yuta, désolé, hein, la qualité de la connexion est plutôt faible. Bon, je termine rapidement sur ce sujet pour ne pas embêter tout le monde trop longtemps. Je termine juste sur le sujet de ces locales-là. Et donc aujourd'hui, oui, exactement, les aléas du direct. Merci, merci Etta. Donc, le scrutin-là a permis de démontrer de façon indubitable que nous sommes une grande démocratie. Avec un fichier fiable, on a un système électoral de grande qualité, un personnel chargé des élections absolument compétent. Et d'ailleurs, les grandes victoires symboliques que l'opposition a obtenues sont la preuve, s'il était encore besoin, des performances du ministère de l'Intérieur, qui a été critiqué hein, beaucoup sur sa capacité à organiser une élection. Docteur Yves, merci beaucoup, hein. Théo, Frangin, merci beaucoup, hein. Désolé, hein, la qualité de la connexion aujourd'hui n'est pas terrible. On fera mieux la prochaine fois. OK? Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, justement, par contraste, c'est qu'on se rend compte en fait que c'est un pays dans lequel la transmission du pouvoir, des mandats, se fait toujours dans le cadre d'élections. On peut se disputer même. Mais on reste quand même de grands démocrates et quand il s'agit d'aller aux élections, on y va. Et que peu importe la suspicion que les gens ont naturellement, il faut quand même à la fin de l'élection admettre que on a vécu un grand moment de démocratie. Et pourquoi on a vécu un grand moment de démocratie? Il y avait quand même 3 200 listes dans cette élection-là. Donc énormément de papiers quand même. Il y avait 2 700, je crois, 6,8 millions d'électeurs. C'est énorme, hein? Il faut l'organiser le même jour, hein? Et puis, si vous voulez, seuls des pays dans lesquels il y a une vraie démocratie, il est possible d'envisager une déculottée pour le régime qui a organisé les élections. Évidemment, je parle d'une déculottée symbolique. Parce que dans le fond, si on parle en mathématiques, lorsque vous avez eu 32 sur 43 départements, eh ben vous avez gagné, mes amis. Vous avez gagné. Et c'est ça le problème, c'est que la perte des villes plus importantes fait que dans l'esprit des gens, c'est une défaite. Mais ce n'est pas vrai. Le président Sall n'est pas encore minoritaire dans ce pays. Et ça, c'est la vérité, numériquement. Maintenant, il y a quand même le sort de certains hommes politiques qu'il va falloir régler. Je pense en fait que Idrissa Seck demeure un homme politique majeur, mais on ne peut pas ne pas tirer d'enseignement. Ok, je lui envoie. On ne peut pas ne pas tirer d'enseignement de la défaite qu'il a obtenue à Thiès, puisque c'est sa défaite. C'est son poulain qui y était. Et c'est la deuxième fois qu'il perd ainsi. C'est la deuxième fois. Donc, il y a quand même des enseignements. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, qui a perdu ici à Dakar, il y a aussi des questions qu'il faut se poser. Quand Mimi Touré a perdu, elle a été sanctionnée, même si elle est revenue en grâce, parce que son engagement, son militantisme font que elle ne s'est pas découragée. Donc il y a aussi, mais il y a quand même une question. Et le prochain remaniement va pouvoir solder le compte de ces questions.
Ah oui, parce que, évidemment, mais sinon, on serait injuste. Ce serait injuste aussi que. Alors, il faut que j'envoie un lien, pardonnez-moi. Voilà. On ne peut pas faire une élection et puis le lendemain ne pas tenir compte de ce que les urnes ont dit. Parce que ce que les urnes ont dit, c'est qu'il y a des gens qui dans leur zone sont appréciés et puis d'autres non. Il y a aussi quelque chose que ça dit des listes citoyennes. Les citoyens qui étaient peu connus ont quand même fait une progression extraordinaire. Et puis il y a les nouveaux qui arrivent. Il y a une reconfiguration politique qui est en cours. Moi, je pense notamment j'estime qu'il en faut plus, des comme ça. Il en faut plus pour qu'on arrive à la taille critique de gens qui croient en la République. Et à ce moment-là, il sera possible d'avoir un impact maintenant sur la vie politique. Parce que ce pays est en train de devenir me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Parce que on a réussi quand même, là, malgré l'apparition des programmes communaux, on a très peu discuté de programmes. Et moi, je me demande jusqu'à présent, qu'est-ce qui empêche que les télés privées s'entendent pour que, il y a 14 régions. On peut organiser ces 14 jours de campagne, on peut organiser un jour une région, l'ensemble, comme une Coupe d'Afrique des Nations, l'ensemble des télévisions privées récupère le signal, la captation vidéo, et la partage sur toutes les chaînes, pour permettre en fait à tous les candidats, toutes les têtes de liste qui postulent dans une mairie donnée, de pouvoir parler à toute la nation de ce qu'ils ont l'intention de faire. Vous croyez que c'est sérieux que des gens arrivent dans une localité? Parce que, par contre, alors, il y a quelque chose que je dois dire avec force et je dois le dire clairement pour que ce soit dit une fois pour toutes. Je pense que Macky Sall a perdu et que Vox Populi, Vox Dei, le peuple a toujours raison. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais je trouve que c'est injuste, notamment à Ziguinchor, pour ce que j'ai vu le président faire dans cette zone-là. Je trouve que c'est injuste. Voilà. Et je tenais à le dire. Parce que quand il y a une telle volonté de désenclavement, aujourd'hui, à la boucle du Boulouf, les options pour se rendre à Ziguinchor sont légion. Il y a une profusion de mécanismes pour se rendre à Ziguinchor. Moi, je suis né à Ziguinchor. J'y retournais régulièrement. Je sais l'odyssée. L'épreuve logistique que ça constitue de se rendre en Casamance. Et je sais aujourd'hui la sinécure que c'est de se rendre en Casamance. Aujourd'hui, vous pouvez y aller d'ailleurs si les hommes politiques ont battu si facilement en campagne, parce qu'il y a deux avions chaque jour, deux vols qui vont sur la Casamance. Il y a deux bateaux qui se relaient sur cette destination, une desserte maritime. Il y a le port aujourd'hui de Carabanne. Alors qu'avant, on se souvient que les pirogues venaient accoster au bord du bateau, on descendait les machines et ceux qui devaient descendre à Carabanne prenaient les pirogues et partaient, avec une échelle en corde. Je vous parle d'un temps qui n'est pas si loin. Je vous parle de la qualité des routes. La route de Ziguinchor au Cap Skirring est d'une qualité exceptionnelle. Je vous parle des deux aéroports qu'il y a dans ces zones-là, qui sont des aéroports internationaux. Je vous parle de la réhabilitation en cours de 24 milliards. Et je le dis d'autant plus simplement que j'étais un adversaire acharné de Macky Sall. Mais nous devons admettre aussi, en toute vérité, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le récompenser pour ça. Et je trouve que il paye d'un grand prix les divisions des gens qu'il a choisis sur place. Il le paye d'un grand prix. Mais c'est aussi son choix, parce que évidemment, à partir du moment où il a choisi les équipes, il est comptable du résultat. Donc c'est aussi sa défaite. C'est sa défaite, mais c'est injuste. C'est sa défaite et ce n'est pas fidèle des efforts qu'il fait pour cette région-là. Et pour d'autres d'ailleurs.
Si je prends le cas de Dakar, les investissements massifs qu'il y a dans le transport de masse, on peut dire ce qu'on veut. Les péages facilitent la mobilité et la mobilité multimodale. Je parle notamment du TER, je parle du BRT, je parle de la Société nationale des transports publics, Dakar-Dendik, de Sénégal-Dendik aujourd'hui, du développement absolument phénoménal du transport de masse. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et parce que c'est la trajectoire du développement. La trajectoire du développement, c'est être capable de prendre des gens en quantité industrielle et de les amener dans des zones et de pouvoir leur permettre d'aller vaquer à leurs occupations librement. Et ça, c'est ce qu'il fait. Donc, il y a quand même quelque chose. Et c'est aussi ça le problème, c'est que les Sénégalais, nous savons déchoir, nous savons enlever, nous savons sortir des hommes politiques, mais nous ne savons pas en choisir jusqu'à présent. Et ça, on en reparlera parce qu'on refera la même erreur au présidentiel en considérant qu'il faut sortir ce président et son régime, et ce faisant, on s'infligera nous-mêmes à nouveau un chemin de croix pendant encore 5 ans, jusqu'à ce que cette personne soit encore en situation et on mettra encore quelqu'un d'autre. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça. Nous sommes comme Sisyphe dans la mythologie qui est condamné de manière éternelle à rouler sa boule jusqu'au sommet de la montagne et puis à la voir redescendre et puis à reprendre ce chemin, ce mouvement perpétuel-là toute sa vie. Nous sommes Sisyphe. Nous, les Sénégalais, nous sommes Sisyphe. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de débat sur les projets municipaux. La violence politique. Mais ça, il faut qu'on en parle, hein. La violence politique. L'argument de la force est tellement présent. Les leaders font preuve de tellement d'absence de créativité. Le discours est au ras des pâquerettes. Les gens s'invectivent, s'insultent. Se calomnie, les gens n'ont peur de rien, il suffit de mentir, et d'ailleurs, c'est la fameuse expression, mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Les gens ont menti sur des choses qu'ils savaient parfaitement fausses, mais ils les ont dites quand même, parce qu'il suffit de les dire. Je trouve que quelqu'un comme Cheikh Issa Sall a été en dessous de tout en parlant d'une certaine Juliana, et puis je ne sais pas trop quoi, et puis si c'était vrai, on s'en fout un peu, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à ça que nous sommes rendus? Est-ce que finalement, l'action politique se résume à partir du moment où vous êtes engagé en politique, il n'y a plus les coups en dessous de la ceinture, et ben c'est régulier. C'est ça? Eh bien, c'est à cause de ça qu'on a des gens peu compétents en politique. Parce que ceux qui sont compétents ont peur d'y aller, parce qu'ils se disent que ils mettraient en danger quelque chose pour aller en politique. Et ceux qui n'ont rien, justement, ceux qui n'ont aucun autre espoir, vont en politique et ils font carrière parce qu'ils n'ont rien à perdre. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Et il faut qu'on interdise, mais tous solidairement, qu'on interdise de descendre à un certain niveau en matière politique. La pléthore de listes. Alors, je ne sais pas si c'est une inflation de projets politiques, je ne le crois pas. Il n'y a pas 3 000 projets politiques pour le Sénégal. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rationaliser tout ça? Il n'y a pas un moyen que ces gens-là s'entendent pour travailler ensemble? Et puis les médias. Pour moi, les médias, c'est l'impossible régulation. On ne peut pas réguler les médias. D'abord parce qu'il faut des cartes de presse. Aujourd'hui, la télé est faite par des animateurs. Et puis bientôt, les mairies sont faites aussi par des animateurs. Voilà, je le dis comme ça, mais c'est une petite pique à l'endroit des uns et des autres. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir dans une rédaction 90% de gens qui n'ont pas de carte de presse, qui ne sont pas des gens de la presse, des animateurs. On a des animateurs à la tête des rédactions. On a des gens qui sont sous-formés, qui sont sous-compétents, sous-qualifiés pour faire un travail d'analyse, d'abord de collecte de l'information, donc. Il y a du matériau à collecter, un travail d'analyse, un travail de synthèse et un travail de restitution. Mais si vous êtes incapable de faire ça,
Pourquoi vous dites que vous êtes des journalistes? Parce que ça vous donne de l'influence. Et que cette influence-là, vous l'utilisez pour servir des combats qui ne vous honorent pas. Je regarde par exemple deux télés. Je donne deux exemples. Wolf Adiri, Sen TV. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Sincèrement. Comment on fait de la télé en mettant sur un même plateau des gens qui ont tous la même opinion et qui sont tous anti-régime? Et c'est exactement à ça que l'on doit d'intoxiquer, oui, c'est exactement à ça qu'on doit l'intoxication actuelle des populations en termes d'intoxication intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez dans un taxi, vous discutez avec le taximan, il va vous dire maquiligule. Mais qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Quelle est l'activité principale d'un taximan ici au Sénégal? Je vous le dis, c'est écouter la radio. Quels sont les événements forts de sa journée? C'est la revue de presse, parce que c'est le moment en fait où on abêtit les gens, c'est le moment où on se couche par terre en faisant du théâtre. Je ne sais pas qui a dit que l'exercice de la revue de presse, je sais que Choupette est là, ça va certainement lui dire quelque chose, mais qui a dit que la revue de presse, c'était un genre comique? Qui avait dit que la revue de presse, c'était un exercice qui relevait du théâtre et de la comédie? Eh bien, c'est ce que c'est devenu. Et les taximans et les gens du commun, et je le dis évidemment sans aucune condescendance ni aucun mépris, mais ils écoutent toute la journée ces choses-là. Deuxième moment, ils écoutent les talk shows, donc les émissions où on invite un invité et où on anime et puis on lui pose des questions sur tous les sujets. Et lui, il répond. Et comme le journaliste n'a aucune culture, ou en tout cas la personne qui lui pose des questions n'a aucune culture, évidemment, ça va dans tous les sens. Et tout de suite, c'est, oui, il paraît que tu étais avec telle fille, mais tu étais plutôt avec telle autre, mais non, mais si. Et puis, ça va dans tous les sens. C'est de la politique, ça? Je rappelle qu'il y a quoi? Il y a environ 5 jours, Zemmour expliquait que, Éric Zemmour, expliquait que, lui était journaliste à l'époque où Mitterrand était président. Et il a voyagé plusieurs fois avec Mitterrand et avec d'autres journalistes. Mitterrand avait une maîtresse, qui était une Norvégienne, qui à l'époque était enceinte. Toute la presse le savait. Personne ne l'a jamais écrit. Personne. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de la qualité des hommes d'alors? Et de toute façon, et il dit en fait, que ce n'est même pas par amitié pour Mitterrand qu'ils ne l'avaient pas fait. Ils ne l'ont fait que parce qu'ils estimaient que ça ne rajoutait rien au débat politique. Et c'est ça le sujet. Aujourd'hui, comment vous voulez qu'on puisse, sur un landerneau politique aussi petit, avoir des sujets si mesquins et des sujets si éloignés de nos priorités de développement? Nous, on a des problèmes d'éducation. L'école, on devrait la rendre obligatoire et gratuite. Est-ce qu'on l'a fait? On a le problème des enfants talibés. C'est si difficile de s'occuper des enfants talibés dans la rue. Et sincèrement, sans déconner quoi, toutes les communes là qui existent là, et j'ai pas entendu dans les projets politiques et dans les lancements de projets politiques que j'ai vus, je n'ai pas entendu une seule commune dire ce qu'elle allait faire pour les enfants talibés. Vous savez pourquoi c'est un problème? C'est un problème pour la sécurité de nos pays. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle la bombe démographique. La bombe démographique, c'est quoi? C'est des cohortes de jeunes. Notre pyramide des âges, elle est inversée. Notre pyramide des âges, non, elle n'est pas inversée, elle est normale. C'est en Europe qu'elle est inversée. La base de la pyramide, c'est les enfants et les jeunes de moins de 25 ans. Et le problème, en fait, c'est que les jeunes de moins de 25 ans, s'ils n'ont pas de formation, et c'est l'école qui forme, l'école ne fait pas qu'instruire. L'école instruit, elle forme, elle éduque. Et elle donne des valeurs. Elle crée une convergence de valeurs autour de la République. Le problème, c'est qu'on accepte que des enfants, les talibés notamment, soient mis hors circuit scolaire et qu'ils grandissent périphérie de la société. Et ils nous regardent, ces enfants, parce que c'est ça la vérité. Ils nous regardent, ces enfants, en se disant,
Quand j'étais un enfant, je n'ai pas eu ce que les autres enfants ont eu. Je n'ai donc de perspective, je n'ai pas les mêmes perspectives que les autres enfants. J'en veux à ces adultes-là qui n'ont rien fait parce qu'ils ont vu, ils savaient. Et je veux vous le dire de manière solennelle, ces enfants nous regardent et ils nous écoutent. Et quand ils seront plus âgés, nous ne pourrons pas leur dire, on ne savait pas que vous subissiez tous ces travers. On ne pourra pas leur dire que vous subissiez, on ne savait pas que vous subissiez toutes ces exactions. Nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est locale. C'est aux communautés et aux collectivités locales de s'occuper de ces enfants. Mais ça coûte combien? Ça coûte combien de scolariser ces enfants et de leur donner à manger? On s'en fout des marabouts entre guillemets, qui les mettent dans la rue, puisque pendant 8 heures de temps, et c'est le temps qu'ils auraient passé à l'école, pendant 8 heures de temps, ils sont à la recherche de la pitance. Alors, récupérons-les le matin très tôt et mettons-les dans des salles de classe. Moyennant quoi? Moyennant quoi? Ça veut dire que la condition pour qu'ils aillent en classe, c'est qu'il faut leur donner à manger d'abord, le matin. Il faut les obliger en leur disant, tu as le petit déjeuner, mais si tu restes à l'école, tu auras le déjeuner à midi. Et ensuite, à midi, il faut qu'un médecin les examine et les suive. Ces enfants, diables, n'ont pas de père, n'ont pas de mère. Mais les collectivités locales, elles ont un budget, elles peuvent bien s'occuper de ces enfants. Ça leur coûterait combien? Elles font bien des dépenses idiotes, des dépenses de gazon synthétique. On achète du gazon synthétique dans les quartiers. Vous le saviez, ça? On fait des stades avec des terrains synthétiques. C'est très bien de faire du gazon synthétique. Mais comme on a d'autres priorités, on commence par ces priorités-là. La bombe qui va nous exploser à la tête, ça s'appelle les talibés. Et on a un moyen de les régler et ce n'est pas fait. Et donc, c'était une grande digression, mais la question des médias, il faut la régler. Le CNRA a pris quand même des mesures en disant, oui, c'est interdit que les chroniqueurs qui sont engagés dans la campagne électorale soient aussi à l'antenne pendant la période de la campagne. Ok, c'est très bien, mais ce n'est pas fair play. Ce n'est pas fair play de permettre. Il y a des catégories qui doivent être hors mandat. C'est mon propos. Il y a des catégories qui doivent être hors mandat. Ou alors, elle démissionne, et c'est ce qu'a fait Éric Zemmour, et c'est louable. Journaliste, pendant longtemps, il a été chroniqueur, etc. Mais quand il s'est agi de s'engager en politique, il n'a fait ni une ni deux. Il a d'abord démissionné, il a commencé son parcours avec son livre pour communiquer et pour expliquer ce qu'il voulait faire. Pourquoi les gens n'ont-ils pas le courage de leurs idées et passent du temps à profiter de leur position? Parce que ce serait plus louable, et c'est valable pour SNTV, hein, je le dis pour Ahmed Haïdara, mais je le dis aussi pour l'autre, Tala, je sais pas quoi, qui est sur SNTV. C'est inacceptable. OK? Et enfin, et je voulais terminer là-dessus, c'est la question de la marchandisation, de la vie politique et la question de l'argent. L'argent est tellement important dans ces élections-là et prend un tel, comment on va dire, une telle importance que ceux qui n'ont pas d'argent, et c'est ça le suffrage censitaire, avant, seuls ceux qui payaient un impôt avaient le droit de voter. Ceux qui payaient un impôt avaient le droit de voter. C'est ce qu'on appelle un suffrage censitaire. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui votent n'ont pas la même chance d'être élus que ceux qui demandent leur suffrage. Or, on doit simplifier ces choses-là. Et ça pose la question du financement de la vie publique. L'État, s'il veut être sérieux et s'il veut encadrer les choses qui arrivent, doit financer la vie des partis politiques. Aux États-Unis, la manière par laquelle ils tiennent leur démocratie, c'est qu'ils l'encadrent et que ça coûte à l'État l'entretien de son personnel politique. Alors évidemment, il y a des critères pour être financé, il y a des critères pour être remboursé. Aux États-Unis, en France, c'est la même chose. Et dans les grandes démocraties, c'est la même chose. Il n'est pas normal que la seule dépense admissible pour un État soit la dépense pour acheter du papier, les bulletins d'impression,
et puis le transport pour amener les urnes. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait aussi des dépenses pour que les initiatives et les projets politiques qui sont intéressants trouvent un accès vers le grand public. Et ça ne coûte pas plus cher que de financer en sous-main des alliés à raison de 30 millions par celui-ci par mois, 15 millions par ici par mois, etc. On peut organiser ça. On a et l'intelligence et les ressources pour ça. En plus, on a du pétrole qui arrive. On peut bien financer ça, non? Voilà. Maintenant, je voulais terminer par une chose. C'est la question du débat sur la criminalisation de l'homosexualité. Pourquoi je parle de ça, en fait? Parce que qui est pour l'homosexualité au Sénégal? Alors, je pose une question. Mais évidemment, personne. Mais c'est ridicule de poser la question. Personne. Et même si l'homosexualité était légalisée, personne n'oserait s'afficher. Il le rencuirait. Bon, vraiment, aujourd'hui, on a un arsenal répressif. On a une sociologie qui ne le permet pas. On a un corpus juridique qui est extrêmement répressif. La question, j'ai entendu, on fait un grief. Et puis, écoutez les gars, en République, il n'est pas possible à une portion du peuple de s'arroger la qualité pour parler au nom du peuple. Les gens de Anne de Samedicouy, j'imagine que c'est des gens très bien, qui sont mus par une véritable intention de bien faire, mais ils ont tort. Ils ont tort. Ils ont tort parce que il n'y a pas de... La loi, telle qu'elle est faite aujourd'hui, permet de garantir la répression des actes contre nature. Il faut arrêter ça. Et puis, admettons que ça ne le permette pas. Vous croyez sincèrement que nos priorités du moment, ce n'est que ce point-là. C'est-à-dire qu'avec tous les problèmes de développement qu'on a, il suffirait simplement que cette loi passe et nos problèmes disparaîtraient. Non, il faut être plus sérieux que ça. Et le problème, en fait, c'est qu'on utilise l'énergie négative et on la transfère sur des sujets qui sont d'importance très faible. C'est un débat qui n'a pas de sens. Ici, au Sénégal, il n'y a pas de risque de légalisation de l'homosexualité. Vraiment. Vraiment. Il n'y a aucun risque que l'homme... Et puis, admettons que ce risque existe. Vous croyez sincèrement que l'opinion publique n'est pas suffisamment formée pour être capable de lutter contre ça? Non, vraiment. Vraiment. Utilisons notre énergie à d'autres choses. Il y a d'autres combats, d'autres défis. N'est-ce pas? Voilà. Je voulais terminer là-dessus. Je m'excuse d'avoir été long. Je vous ai retenu assez longtemps. Mais les différentes interruptions ont rallongé le programme que j'avais. Je vous remercie tous pour le temps que nous avons passé ensemble. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, en fonction de l'actualité. Merci beaucoup et à bientôt.